Je pense à tous les gens qui nous ont témoigné leur message de sympathie ces derniers temps, tous les supporters de Monaco, tous les gens qui aiment le club depuis de nombreuses années. Et je suis... Je suis très déçu pour eux. Voilà, très déçu. Voilà, je suis très déçu pour tous les gens qui aiment le football et l'AS Monaco en particulier. On n'a pas été à la hauteur du... pour rester dans le championnat de France de D1. Hein. Il faut que on respecte les lois du football. On ne perd pas la saison sur ce match-là. Je pense qu'on la perd depuis quelques temps. Après, je pense que c'est pas l'heure du bilan. Laissez-nous digérer ça et je pense que tout le monde sera même de faire le bilan en temps voulu. Est-ce que ça vient des 5 derniers mois? Est-ce que ça vient de l'année? Est-ce que ça vient de plus tôt? C'est pas à moi de faire ce bilan-là. On est aujourd'hui, on n'est pas maintenant dans un moment de bilan, je pense. La question que je me pose maintenant, c'est comment on en est arrivé là et descendre avec 44 points, c'est ce qui pouvait arriver de pire pour nous. La deuxième partie de saison, je ne pense pas qu'on ait fait une mauvaise partie de la deuxième partie de saison. On fait un championnat correct. Voilà. Maintenant, j'assume tout. Ma déception est à la hauteur de tous les gens qui aiment le club. Parce que même si ça fait plaisir à certains, il y a beaucoup de gens qui aiment le club. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours apprécié l'AS Monaco. Et en particulier les gens d'ici. Et je suis très peiné pour eux. Je vois que l'AS Monaco, pour certains, ça ne représente rien. Je pense que j'ai vu pas mal d'émissions où on a mis un petit peu l'AS Monaco de côté. C'est décevant par rapport aux gens qui ont travaillé dans ce club, qui ont formé beaucoup de joueurs, qui ont gagné des titres, qui se sont mis minables pour que l'équipe de France hein, et des joueurs aussi, parce qu'on a formé un tas de joueurs. On est un des piliers des clubs français. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Donc ce soir, c'est une grosse, grosse perte pour le football français. Je le souhaite, mais ce soir, c'est pas l'optimisme. Hein. Ce soir, c'est la déception. Il nous a manqué un jeu offensif un peu plus construit et il nous a manqué un petit peu de réussite parce que je pense qu'il y a au moins un pénalty sur la première mi-temps pour nous. Maintenant, c'est une saison comme ça. C'est une saison où on paye cash toutes nos erreurs. Et on ne peut rien faire de plus que de prendre ses leçons et puis de digérer tout ça pour, j'espère, pour le club, pour tout le monde, rebondir rapidement. Le problème, ça sera de remonter rapidement, mais de remonter, savoir comment on va remonter, parce que je crois que si on veut remonter, il va falloir qu'on reparte sur des bases qui étaient les nôtres jusqu'à présent et qui mettent en avant la formation et qui mettent en avant le beau jeu. À partir de là, si on retrouve notre âme, je pense qu'on aura les moyens de redevenir un des grands clubs de D1. Mais aujourd'hui, c'est pas le moment de penser à ça. Aujourd'hui, je crois que c'est le moment d'essayer d'oublier.